11. J'ai gagné. Tu rigoles, ça vaut rien. Mais comment ça vaut rien? Bah, c'est que du lin. Quoi? Mais vas-y, regarde toi-même. Touche un peu, c'est bien fait, non? Bof. Ah, pour du torchon, je dis pas. Mais c'est pas grave. Et au fait, t'as vu un peu comme il a tenu celui de ce matin? Il a bien résisté, hein? Lequel? Bah, celui-là, là. Ah ouais, t'as raison. Je connais plus d'un qui aurait voulu descendre. Hein, Samuel? Oh, vous savez, moi, je m'occupe pas de ces choses-là. En tout cas, vous avez du beau matériel. Il y a de quoi faire. Le pire, c'est quand on commence à les clouer. Si tu les voyais gueuler, ce tortillé. Mais celui-là, on aurait dit qu'il était soulagé. Ah, c'est vrai, oui. Mais moi, je trouve que c'est plutôt quand on les hisse et que le poids commence à tirer sur les mains, là. Bah, c'est là qu'ils gueulent le plus, hein. Je te range pas les ongles. Et comment vous y prenez, au juste? Ben, tu vois, Samuel, c'est simple. Ça demande à la fois de la technique et du doigté. Le petit, là, il a fait son premier il y a 2 jours. Ben, il a bâclé le travail. Il l'a cloué là. Ça a duré quoi, 3 fois rien? Non, ce qu'il faut, c'est le clouer là. Comme ça, ça saille moins vite, mais plus longtemps. Ah, faut du métier. Mais tu vois, en fin de compte, ce qui va pas, c'est qu'on doit toujours aller plus vite. Alors évidemment, tu soignes moins le travail. Tu fais moins attention, puisque tu sais que t'en as 10 à clouer avant qu'il fasse nuit. Ah, le problème, c'est qu'on a l'amour du travail bien fait. Du bel ouvrage, on aime bien fignoler. T'as l'autre de ce matin, par exemple. Et ben, on lui a fait une belle couronne. Hein, mais ça devient rare. Il nous parle toujours de rendement. Ouais, comme toi, Samuel. On est des petits artisans. Et pour les clouer, il faut y aller juste d'un petit coup sec pour pas déchirer le muscle. Non, puis maintenant, on doit tout prendre en compte, hein. La corde, le choix des clous, et même le bois pour la croix. Avant, on avait un type qui connaissait bien son travail, hein. Et ben, il choisissait lui-même son bois, et pas n'importe lequel, hein. Oh, puis, il prenait les mesures, il calculait tout. À quelquefois, il y avait même un petit coucher de soleil dans les mauves, les orangers. Ah, c'était beau à voir, hein. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux de son groupe? Oh, ben, ils sont partis vite fait. Enfin, sauf les femmes. On a retrouvé un pendu à un olivier, hein, mais... En plus, il aura personne pour le pleurer. Et quand j'ai mis le coup de lance? Ouais, ben toi, t'auras des ennuis à force de faire ça, hein. Puis te ronge pas les ongles. Oh, ça l'a à peine chatouillé. Et puis il meurt plus vite. Lui, par contre, il a tourné la tête. Ben, il faudra le former, le petit. Au fond, c'était peut-être un brave type. Ben, tu vois des braves types partout. T'as vu sa tunique, je peux rien en tirer. Habituellement, ceux qu'on cloue, ils ont un peu d'argent, des vêtements, ou une femme. Mais lui... Allez. Encore une tournée. Ah non, moi je suis fatigué, je ferme. Oh Samuel, tu vas pas nous faire ça. Non bon, et de toute façon c'est pas grave, faut qu'on y aille. Allez. On va passer au campement avant. Allez. Allez. Tiens, au fait, j'en ai une autre. L'autre jour, on devait en crucifier un. Bon ben on le prend, on le dépouille, comme d'habitude. Eh ben, figure-toi que le type était manchot. Ah, je te jure. On l'attache, la corde casse, enfin bref. On a perdu du temps, et au bout du compte, il nous avait pas donné le bon. Et puis l'autre, là, tu sais pas ce qu'il voulait faire? Non. Il voulait lui clouer le moignon. Mais tu te rends compte un peu? Bon, allez, on y va. En fait, Samuel, ta fille, elle travaille plus ici? Ah non, non. Elle va bientôt se marier. Alors? Mon lieutenant, hein? Vous n'avez pas un acompte pour moi? Bah, c'est dans 2 jours la solde. Ah bon? Ouais. Bon, bah la prochaine fois alors. C'est ça, oui, la prochaine fois. Puis arrête de tronquer les ongles. Tu vas t'en prendre une, hein?